Yo les gens, c'est Darking pour une nouvelle vidéo sur Palladium. J'espère que vous allez bien et pour ma part, ça va nickel. Juste avant que la vidéo commence, les gens, je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, donc ça sera sans doute la dernière ou l'avant-dernière vidéo avant 2020. Donc voilà, je préfère vous dire de très bonnes fêtes de fin d'année dans cette vidéo, au cas où que j'oublie dans la prochaine. Les gens, pour cette année 2019, franchement, ça a été une superbe année. On a atteint les 50 000 abonnés. Vous m'avez fait cadeau des 60 000 abonnés. Donc franchement, merci à vous. Alors, je vous parle, on est 61 500 abonnés. Voilà. Au début, je voulais potentiellement avoir les 62 000 avant Noël, même avant 2020, mais ça va être un peu compliqué. Donc voilà, si des gens sont pas abonnés à la chaîne, bah écoutez, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne tout en activant la petite cloche de notification, ça me ferait juste super plaisir. Voilà, il y a 55% de personnes qui sont pas abonnées à la chaîne et qui regardent quand même les vidéos, donc s'il y a une ou deux personnes qui se reconnaissent, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bref, je vais mettre les gagnants des 6 Endium Nuggets, enfin des 2 Endium Nuggets x 3. Donc voilà, bravo aux 3 gagnants. C'est 3 gagnants qui ont gagné 2 Endium Nuggets, bravo à vous. Et vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai aussi dépensé pas mal d'argent. Pas mal de nuggets et j'ai reçu pas mal d'argent. En tout cas, moi je vous laisse, c'était Darking. Merci en tout cas pour cette année et on se retrouve pour la vidéo. Aussi les gens, regardez, j'ai utilisé ma Legendary Stone Jobs et tout à l'heure, j'ai réussi à avoir encore de l'XP pour le métier d'alchimiste. Donc franchement, c'est juste énorme. Donc franchement, je suis juste super content. Je suis level 8 métier alchimiste et j'espère sincèrement que le métier d'alchimiste va bientôt arriver parce que franchement, c'est chiant un peu là. Sur Palladium, il n'y a plus grand chose à faire. Moi, je me fais un peu de monnaie pour les box, mais ben, bref, c'est un peu chiant. Je vous avoue que c'est un peu chiant. Moi, personnellement, j'attends un bon petit reset des familles. Comme ça redonnerait une énorme hype à Palladium. Au moins, on serait un petit peu moins chier. Or, je me suis fait piller ma farm. Ah merde. Sam, bravo pour les 100 nuggets. On te repillera pas, garde la farm. J'ai stylisé ta farm, un peu de bois, ça fait pas de mal. Contact Discord Nashi pour te rendre du stuff. Les palacrocheurs et XP Berry. Petit don dans le coffre parce que je suis pas riche. Alors, petit don dans le coffre. D'accord. Écoute, merci à vous les gars. Bon, c'est pas grave, je vais tout simplement prendre masse de bois et je vais me créer mes petits drawers pour les... Je pense que je vais les vendre à 800 000 $ unité. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y allait avoir un Endium Ingot dans le drawer et 9 autres Endium Nuggets. Donc il y aura 10 drawers. Donc voilà, en tout, il y aura 2 Endium Ingot. Voilà, faut que je me fasse de la monnaie. J'ai vraiment envie de d'ouvrir des box quand elles seront disponibles. Donc je vais tout simplement me faire... Essayer de me faire énormément de monnaie en tout cas. Donc je vais faire un petit sagecraft et je vais tout simplement faire ça comme ça. Voilà, nickel. Ok, nickel. Bah écoutez, j'ai 10 drawers. Je vais... Tu mets 9 drawers, 1 endium ingot, 5 endium nugget et 4 avec 64 blocs de pala. 850k par unité. C'est intéressant. Je pense que je vais faire ça. Je vais tout simplement faire 1 million de dollars par unité. 10 drawers avec 1 drawer avec 1 endium ingot et 9 drawers avec 1 endium nugget. Je pense que je vais faire ça comme ça parce que bah, ça peut être intéressant tout simplement. Donc là, je vais prendre du coup... Ça fait mal, ça fait très mal. Et on va prendre l'Endium Ingot. Donc c'est l'Endium Ingot qui m'a été offert par par Neblaz. Donc Neblaz, en tout cas, si tu passes par là, bah ton Endium Ingot va me servir pour me faire un petit peu de monnaie. J'espère que ça te, ça va pas te faire chier. Donc on va le mettre juste ici et on va le mettre juste ici. Voilà, parfait. Ok, bah écoutez, on va prendre les drawers maintenant. Ok, parfait. Maintenant on va se faire... Oh merde, attendez, tac, voilà. On va se faire un petit coffre et nous allons tout simplement mettre les drawers comme ça. Voilà, nickel. On va les disperser, voilà, tac, 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 tac. En tout cas, voilà, je sais pas où est l'Endium Ingot, donc je vais mettre un petit message dans le chat et on se retrouve juste après. Ok, voilà, je vends Lucky Blocks, 1 million par unité, il y a 10 drawers avec 1 Endium Ingot et 9 Endium Nuggets. Ah, je me suis mal exprimé. Ok, on va prendre un drawer comme ça, voilà, on va se taper à Soares qui m'a donné 1 million de dollars. Donc, que va-t-il avoir, Soares? Oh, bah, il a eu... Il a... Je sais pas s'il en a eu 2 ou 1. Bien joué mec. Ok, Robin du 57 qui vient de m'envoyer 1 million de dollars. Je vais me TP à lui. Boum. Minia. Bon bah écoutez, il y en a eu un qu'on a eu deux. Non, un qu'on a eu deux et un qu'on a eu un je crois. Donc. Ah, Robin qui m'a renvoyé 1 million. Donc attendez, tac tac, on va se TP à Stylaric. Ok, donc on va se TP à Stylaric. Et après on va se TP à Robin. Donc là ça va être assez, assez mouvementé. Va falloir que je me TP à tout le monde. Et il a eu. Oh, il a eu l'Endium Ingot. Oh, il a eu l'Endium Ingot. Oh, GG Robin. Robin qui a eu l'Endium Ingot. Ok, c'est bon. Donc, il va arriver normalement. Et qu'est-ce qu'il va avoir dans ce drawer? Un Endium Nugget. GG, mec. Donc, Soares, va-t-il me donner les 1 million? Va-t-il me TP kill? Donc, je suis à 4 100 000 dollars. Donc, ça, là, ça monte vite. Je suis content. Normalement, voilà. 5 141 000 dollars. Tiens, je te donne le drawer. Ok, nickel. Slash Home Minia. Donc, il a eu un Endium Nugget. GG à toi. Nanoti, slash pay. Nanoti, c'est
1 million et pas 1000, je lui rends ses 1000$, voilà. Ok, donc on va se taper maintenant à Furose. Ok, donc 992 000. Tiens, Furose, je te donne un Endium. Je te donne un Lucky Block et tu vas avoir dedans un Endium Nugget. GG. Il me reste 4 drawers. Et en vrai, les gens, avec 100 Endium Nugget, eh ben, si je fais ça comme ça, je pourrais essayer d'avoir presque plus de 60 millions de dollars. Même beaucoup plus, mais bon. Quand même garder plus de 7 Endium Nugget pour pouvoir me faire un pantalon en Endium. J'arrive à tout simplement à avoir le métier alchimiste level 20. Non mais je suis content, sincèrement je suis vraiment content. Donc on se retrouve dès que j'ai quelqu'un qui me renvoie de la monnaie. Allez, à tout de suite. Ok, donc Stylaric qui m'a renvoyé 1 million de dollars. Voilà, on va se taper Stylaric. Ah attendez, mais il y a ma farm là-bas, faut pas qu'il aille là-bas lui. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un Endium Nugget. GG mec. Stylaric m'a dit qu'il voulait encore 2 Endium Nugget. Deux Endium Nugget, encore un drawer. Et qu'est-ce qu'il va avoir du coup? Et 2 Endium Nugget, GG mec. C'est bon, il a eu les 2 Endium Nugget. Bon bah dans les autres drawers, maintenant il reste plus qu'un Endium Nugget. Bah écoute, GG à toi mec. Et du coup moi je suis à 8 132 000 dollars. Franchement c'est parfait. Et du coup il reste 2 drawers. Et dans les 2 drawers maintenant il reste 2. Enfin il reste un Endium Nugget chacun. Donc je pense que je vais arrêter là parce que sinon je vais les. Sinon c'est de l'arnaque si je les vends et que je sais qu'il reste que 2 drawers. Donc voilà. Merci en tout cas à tous ceux et à tous ceux qu'on a acheté. Du coup bah 8 millions de dollars, franchement c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment content. Les gens ils ont vraiment l'air d'être contents. Je pense que je ferai ça plus souvent. Et surtout que franchement c'est plutôt cool pour se faire de la monnaie hein, sans déconner. Parce que là je suis à 8 millions de dollars. Donc ouais franchement je suis content. Un mec il vient d'envoyer, je te prends 20 nuggets, 10 millions de dollars. Donc je pense pas que je vais accepter parce que je vais plus avoir beaucoup de monnaie. Mais déjà 20 nuggets fois. Après les gens, pourquoi je les vends? Tout simplement parce que moi mon objectif c'est d'avoir le pantalon en Endium. Et en fait les 100 Endium Nuggets c'était juste un défi. Maintenant bon ils sont avec moi, mais je préfère les vendre pour me faire beaucoup de monnaie. Donc voilà. Bon malheureusement le gars n'est pas d'accord pour les 16 millions de dollars. Il voulait m'acheter pardon mes 20 nuggets pour pas plus de 12 millions de dollars. Donc bon, ça me fait un petit peu chier parce que j'aurais quand même voulu bien en vendre 20. Parce que comme ça, bah 20 nuggets, je peux tout simplement les vendre et du coup me faire pas mal d'argent. Mais écoutez, je vais faire le tour des serveurs et essayer de voir si des gens veulent m'acheter mes 20 nuggets en Endium pour 15 millions de dollars. Je vais voir. Enfin, je vais essayer de voir si des gens veulent en acheter. Malheureusement les gens, personne ne veut acheter les 20 Endium Nuggets. Bah après ça semble logique hein, ça coûte cher. Bon bref c'est pas grave. Du coup je suis à 8 132 000 dollars. Va quand même falloir que j'arrive à avoir les 2 millions de dollars restants. Je vais essayer de vendre ma Legendary Stone Jobs. Et puis nous sinon les gens on se retrouve si j'arrive à la vendre. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment farm de monnaie intensif. En vendant de l'Endium et en vendant mes Legendary Stone. Enfin ma Legendary Stone Jobs. J'espère que je vais pouvoir la vendre environ 2 millions de dollars. Ok les gens, donc Zach ma TP, ok, donc à ce qui paraît il veut me prendre ma Legendary Stone Jobs à 1,9 million de dollars. Donc je vais lui dire 1,9 million de dollars STP. Parce qu'il m'a TP mais j'ai pas envie de me faire TP kill les gens, vous avez capté. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'ai toujours pas mise hein, j'ai trop peur de me faire arnaque. Voilà, moi j'ai pas envie de me faire arnaque parce qu'à chaque fois que les gens ils disent ouais j'ai pas envie de me faire arnaque, tu fais bien, tu fais gentil, tu mets ton truc et du coup tu te fais arnaquer juste après, donc ça sert à rien. Donc il y a aussi non, il y a No Ways je crois qui veut m'apprendre pour 2 millions de dollars. Bon bah No Ways ne veut fort, putain c'est horrible les gens, on me dit qu'ils veulent prendre les Legendary Stone mais ah ok il m'a TP. J'espère que lui il est sincère et qu'il arnaque pas, il va pas me kill et tout ça, enfin bref vous avez capté. Ok, il est sincère ce mec, nickel. Ok, bah je suis à 10 millions de dollars, tiens mec. Merci, No Ways. Et du coup les gens, bah regardez, je suis à 10 millions de dollars. Voilà, nickel, j'ai enfin terminé mon objectif de la vidéo. Si les gens, beaucoup de monde m'ont demandé de craft des lingots d'endium avec tous les nuggets que j'ai. Donc c'est ce que je vais faire tout simplement. Par contre je vais en garder quelques-uns. Je vais tout simplement utiliser mes 64 Endium Nuggets juste ici. Je vais faire un petit slash craft. En vrai les gens ça me fout un peu la haine de crafter des Endium Nuggets. Mais écoutez au moins je suis sûr des Endium Nuggets excusez-moi. Mais là au moins je suis sûr que je vais pouvoir les garder et pouvoir crafter un pantalon Endium dès qu'il sortira. Donc c'est parti, un Endium Ingot, deux Endium Ingot. On peut pas aller, ah d'accord. Ah bah si on peut.
Bon, bah ok, nickel, merde. Bon bah écoutez, c'est pas grave, bon voilà. J'ai 7 Andium ingots. Ah dommage que j'en ai pas un de plus, parce que j'aurais pu faire un autre. C'est pas grave, écoutez, je vais laisser comme ça. Et dans la prochaine vidéo, je vais peut-être recrafter un Andium ingot en plus. Mais voilà, au moins j'en ai 7. Je vais juste faire un petit slash lobby et voir si ils seront bien dans mon under chest tout au long de la saison, parce que je parie qu'ils dépop. Ok, ils sont juste ici. Bon bah, nickel alors. Bref, nous les gens, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Et voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, merci encore pour les 61 500 abonnés. Franchement, cette année 2019 fut une très bonne année en termes d'abonnement, en termes de... pour la chaîne en fait. On a atteint les 50 000 abonnés. Donc franchement, merci beaucoup. On a atteint même les 60 000. Donc voilà, l'objectif de 2020, bien évidemment, est d'avoir les 100 000 abonnés. Bon, il y a encore un très grand pas à faire, mais voilà. Bref, oublie pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. Et moi je vous laisse, c'était Darkking. On se retrouve sans doute en live ce week-end, j'espère, on verra. Bref, je vous laisse, c'est Darkking, salut tout le monde. Et je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année.